Si tu fais de la fiction ou si tu comptes en faire, ton premier court-métrage sera certainement un film d'horreur. En général, c'est plus facile de faire peur que de faire rire, et c'est souvent par ça qu'on commence. Mais en termes de lumière, ça peut très vite devenir compliqué. Réussir à créer une ambiance qui soit pesante, mystérieuse, sombre, mais assez réaliste, c'est pas la chose la plus aisée. On va donc aujourd'hui parler des différents éléments importants à connaître pour éclairer un film d'horreur ou une scène de suspense, et je vais te montrer comment j'ai éclairé les plans de l'intro. La première chose à retenir, c'est que contrairement aux comédies, qui sont elles éclairées plutôt de face, dans les films d'horreur, on cherche à créer du mystère et à cacher des éléments de décor pour mettre le spectateur en alerte. Donc pour ça, on va plutôt éclairer en low-key, ce qu'on appelle aussi le clair-obscur en photographie. C'est une image avec beaucoup de contraste et en général des projecteurs qui sont plutôt dirigés en contre de votre personnage et de votre caméra. Ça permet de découper en fait le sujet et même de venir jouer avec les silhouettes pour créer de la tension. Alors pour cette scène, je voulais quelque chose de mystérieux qui reprenne un peu le cliché de la maison abandonnée avec une pièce où on a des secrets de la maison qui sont enfouis à l'intérieur. Alors la première chose à faire, c'était de placer des éléments dans la pièce que je pouvais venir éclairer directement avec la lampe torche pour créer des petits points lumineux en fait à l'image. Et pour ça, rien de mieux que quelque chose qui va être blanc. Donc pour en plus créer ce côté un peu pièce qui sert de débarras, j'ai tout simplement placé du tissu blanc sur des pieds de lumière et quelques éléments que j'avais un petit peu à la maison. Ensuite, je vais placer un projecteur en bas des escaliers. Ici, c'est le Wonder W100 de chez Colbor. Et je vais tourner la lumière vers le haut. Ça permet en fait de simuler une lumière qui serait à l'étage du dessous. Et ça vient découper mon personnage directement en silhouette. Alors, je pourrais très bien m'arrêter là et assumer la silhouette. Mais comme je veux que mon personnage se déplace sur la droite, lorsqu'il va partir en fait de la zone qui est éclairée, on va se retrouver totalement dans le noir et ce sera beaucoup moins intéressant à l'image. Mais alors le problème, c'est que si je rajoute une lumière en direct, on va voir que c'est éclairé, ça va casser tout l'effet mystérieux et réaliste, puisqu'ici on veut que ce soit une pièce qui est censée être dans le noir. Alors comment on fait pour éclairer une pièce qui n'est pas censée être éclairée? Il va falloir faire croire au spectateur qu'il n'y a pas de lumière, mais il va falloir quand même en mettre. Donc en fait ici le but, ça va pas être de faire voir des choses, mais juste de les faire apercevoir. Donc je vais partir sur une lumière plutôt d'ambiance. Et comme on a dit au début qu'il fallait plutôt des lumières en contre, je vais taper mon projecteur sur un mur et le plus en contre possible de la caméra pour que ça vienne pas trop illuminer les objets, mais juste les découper en fait par l'arrière. Je finis ensuite avec l'élément clé des films d'horreur qui est le brouillard. Donc ici j'utilise tout simplement une machine à fumer que je vais laisser s'évaporer. En fait ça va me permettre de donner un peu de texture poussiéreuse à la pièce et puis surtout ça va permettre de créer de la lumière volumétrique. Donc le principe de la lumière volumétrique c'est très simple. En fait la lumière pour qu'elle soit visible il faut qu'elle soit dure. Donc ici la lampe torche s'y prête très bien. Contrairement à la lumière qui est en rebond, elle va être diffuse donc elle ne se verra pas. Et il faut que cette lumière, elle traverse des particules. Donc ici, ça va être la fumée. Et il y a un dernier point à prendre en compte pour que ça fonctionne, c'est que la lumière, elle doit aussi venir en contre. C'est-à-dire, plus vous allez mettre votre lumière en direction de la caméra, et plus le faisceau de lumière va être visible. Donc si on résume, en fait, il y a trois choses importantes. La première, c'est d'utiliser plutôt des petites touches de lumière plutôt qu'une lumière qui va venir tout éclairer. La deuxième, ça va être d'utiliser tout ce qui va être double diffusion, lumière en rebond, tout ce qui va être lumière indirecte, en fait. Et la troisième, ça va être d'utiliser du brouillard, de la fumée, de la poussière, tout ce qui va être particules qui peuvent voler et qui peuvent venir créer des petites lumières volumétriques. Ou tout simplement cette ambiance un peu poussiéreuse. Et la touche finale pour créer cette ambiance mystérieuse, en fait, ça va être la musique et les bruitages. Et pour ça, j'utilise Audio, qui est le sponsor de cette vidéo. Audio, c'est une plateforme de musique et d'effets sonores pour tous vos projets pro, que ce soit pour YouTube, les réseaux sociaux, le cinéma, ce que vous voulez. La licence audio, elle couvre tous vos projets et avec un tarif qui est super abordable. Et en bonus, vous allez pouvoir économiser encore 70% sur la première année d'abonnement au pack pro avec le code SAVE70. Je vous mets le lien dans la description. On continue maintenant avec le plan suivant qui était un peu plus délicat à tourner puisqu'ici je suis en contre-plongée. C'est-à-dire qu'ici, comme je vois directement le plafond, je peux plus utiliser la lumière du couloir pour venir découper une silhouette. Et encore une fois, la pièce n'est pas censée être éclairée donc il va falloir jouer énormément sur la lumière diffuse. Donc je commence par utiliser un pavot tube que je mets dans la boîte et je vais placer par-dessus un tissu blanc en fait pour venir recouvrir la lumière et la diffuser un maximum. Et ce tissu blanc il me sert aussi à faire rebondir la lumière de la lampe torche pour venir redéboucher un peu mon visage. Et j'utilise aussi une feuille de papier blanc que je vais mettre directement sur la couverture du livre.
parce que le livre est assez sombre, donc la lumière elle rebondit très peu dessus. Avec la feuille blanche, en fait, ça permet de rééliminer un petit peu plus quand la lumière va passer dessus. J'ai aussi rajouté un autre tube LED en contre que j'ai dimé au minimum, qui servait en fait à venir redécouper légèrement mes épaules. Au final, je trouve qu'on le voit pas vraiment et j'aurais dû monter un peu plus la puissance de ce projecteur. Je finis également avec de la fumée, encore une fois, pour avoir cette lumière volumétrique sur ma lampe torche. Et voilà le résultat final. Alors cette scène, c'était vraiment pas la plus simple à tourner parce que déjà j'avais pas le bon décor, c'est-à-dire que je suis pas dans un vrai grenier, je suis pas non plus dans une cabane où j'aurais pu utiliser les planches en bois en fait pour faire traverser une lumière depuis l'extérieur et laisser passer des rayons qui auraient pu être très sympas. Pour moi, le fait de pas avoir de lumière qui soit directement visible dans la pièce, c'est le plus compliqué à éclairer et donc c'était un vrai challenge, ça m'a sorti de ma zone de confort et je vous conseille vivement de faire ce genre d'exercice, d'essayer de sortir un peu de votre zone de confort, d'aller un petit peu en dehors de vos limites, de pousser vos limites parce que c'est énormément formateur et vous allez apprendre énormément de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également s'il y a un genre de film en particulier que vous voudriez qu'on aborde sur la chaîne et qu'on essaye de recréer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.